Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, dans notre émission spéciale Jardiner ça fait du bien, que nous tournons ici, dans notre jardin et notre véranda, avec ma petite femme Nicole, qui est derrière la caméra et qui va vous faire de superbes images. Nous sommes en fin de saison, l'automne est déjà là et les plantes ont bien poussé. Alors nous sommes dans la petite collection d'orchidées de ma petite jardinière préférée. Et nous avons pas mal de phalénopsis. Mais savez-vous comment il est possible de multiplier ces phalénopsis pour vous faire toute une collection ou en faire profiter vos amis Vous allez voir, c'est tout à fait original. La plante vous fait des petites choses que l'on appelle des keikis Vous savez pas ce que c'est Alors restez avec nous. C'est tout à fait particulier et fort intéressant. Les phalénopsis sont des orchidées dites monopodiales. Cela signifie que la plante ne développe qu'une seule tige. Alors comment multiplier le phalénopsis Les professionnels, eux, travaillent in vitro, c'est-à-dire que dans un laboratoire, on va extraire sur les pousses terminales ce que l'on appelle le méristème, qui est le tissu de croissance. Alors bien sûr, il faut être très très bien équipé, on ne peut pas le faire en tant qu'amateur. On aurait la possibilité éventuellement de semer si on obtenait des graines. Alors qu'est-ce que nous allons faire alors je voudrais déjà vous montrer une chose qui est très très importante, c'est que un phalaenopsis jeune et en bonne forme produit ses inflorescences à la base de la plante. Dans une précédente vidéo, je vous avais d'ailleurs montré comment tailler les anciennes hampes florales pour obtenir des démarrages comme ici pour une nouvelle floraison. Mais si l'on veut multiplier notre phalaenopsis, c'est-à-dire obtenir plusieurs pieds, Comment allons-nous faire Eh bien, il va falloir que la plante nous aide un petit peu. Regardez celle-ci, c'est déjà un vieux spécimen, et contrairement à ce que je viens de vous présenter, l'inflorescence a démarré à l'extrémité même de la tige et au centre de la plante. Elle n'est plus capable maintenant de continuer sa croissance, et soit elle va nous faire de nouvelles ampes florales, elle va peut-être même fleurir ici. Sur ce petit bouton, mais elle est arrivée enfin de sa croissance, pas forcément non plus de sa vie. Alors il faut que la nature fasse bien les choses et vous allez voir, c'est tout à fait particulier. Avec ce beau phalénopsis, il s'est passé la chose suivante. Voici la plante mère au centre et elle nous a créé un rejet sur le côté que l'on appelle entre autres un keiki. Sur cette plante, on va strictement rien faire parce que vous voyez, on a déjà deux belles hampes florales, elle va continuer à nous faire une belle potée, les racines aériennes sortent de partout, elle est absolument en pleine forme. Mais il se passe parfois un phénomène beaucoup plus inhabituel que nous allons découvrir tout de suite. Il arrive sur certains phalaenopsis que la hampe florale au lieu de nous faire une nouvelle tige qui donnera des fleurs, se mettent à développer des feuilles, comme cela. Et là aussi, ce sont des keikis. Et ces keikis vont pouvoir être, eux, plus facilement séparés, à la seule condition qu'ils aient développé un système racinaire. Ce n'est pas le cas ici. Alors, on va trouver une autre orchidée qui nous a fait un grand keiki bien raciné. Regardez celle-ci. Voici sur ce spécimen la plante mère qui a développé une lampe florale future. Donc ça, vous voyez à quel point le phalénopsis est une plante à la fois florifère et très intéressante. Mais juste à côté ici, on a tout simplement un keiki avec de très belles racines qui sont bien développées. Et ça, je vais pouvoir le rempoter. Voilà. Qu'allons-nous faire maintenant Eh bien, on va séparer le keiki de la plante mère et le mettre dans un pot. Nous allons préparé notre substrat de rempotage dans lequel va pousser notre keiki. Alors je vous rappelle que les orchidées épiphytes comme les phalaenopsis ne poussent pas dans de la terre. On a ici un mélange qui a été préparé spécialement par des amis orchidophiles avec des écorces de pin qui sont très fines, maximum 2 cm de côté, de la mousse de polyuréthane qui va retenir l'humidité et ça, c'est absolument indispensable parce que si vous mettez du terreau, c'est la mort assurée. Et maintenant nous allons humidifier notre substrat de manière à ce qu'il soit parfaitement utilisable au moment du rempotage. Nous allons séparer notre keiki en le coupant juste en dessous les premières racines avec nos ciseaux de jardinier. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour aussi. Couper ce chicot qui sert à rien. Nous avons notre rampe florale et notre keiki. Avec les ciseaux de jardinier, je vais couper le keiki juste en dessous la formation des premières racines. Ce keiki est tout à fait extraordinaire parce qu'il a déjà fleuri trois fois. Je vais éliminer ces éléments qui ne servent à rien. Et en revanche, on va bien sûr conserver les racines. Regardez d'ailleurs, elles sont turgescentes. On va couper ici. Et puis également les deux anciennes. Ici, là. Et puis celle-ci. Maintenant, il me reste une jolie petite plante avec toutes ses racines que nous allons empoter. Donc voici un petit pot spécifique pour orchidées. Il est transparent. Il a aussi énormément de trous de drainage. Je vous rappelle, jamais d'eau stagnante pour les orchidées. Ça les fait mourir absolument. Alors on va constater très vite que les racines sont trop grandes pour rentrer complètement dans le pot alors je les serre tout ensemble comme ça je fais un petit faisceau, je les replie ici et je vais amorcer tout simplement un mouvement de rotation avec le pot et notre plante se trouve impeccable. Alors je la mets bien au centre parce que les phalaenopsis sont donc des orchidées monopodiales et nous allons remplir avec du substrat. Qui est bien humide maintenant alors surtout vous tassez bien le substrat qui est assez rigide il faut que la plante puisse tenir toute seule à l'intérieur de son pot quand vous allez avoir fini donc on fait l'expérience voici donc un phalaenopsis bien empoté un mois après le rempotage de votre keiki, vous pourrez apporter un peu d'engrais spécial orchidé que vous appliquerez directement sur le substrat pour donner à la plante un meilleur tonus. Et c'est avec Perle, notre petite mascotte de l'émission Jardiner, ça fait du bien, que je vous dis à très très bientôt sur News Jardin TV pour de nouvelles aventures de jardiner, ça fait du bien. Et oui, n'hésitez pas, jardiner à fond, c'est tellement bien. Alors, a très bientôt